Marie-Vicente, vous trouvez devant le poteau. Oui. Voilà, c'était leur problème le match passé. Pas de ballon entre dans le but. Tout est fort pendant presque trois quarts du match. Et qu'est-ce que ça donne comme impression quand on fait tout son boulot passant tous les joueurs de derrière jusqu'aux 16 mètres? Non, c'est sûr que c'est les deux derniers matchs, on n'a pas eu trop de réussite au niveau offensif. On a mis 4-5 poteaux en deux matchs. Bah, c'est le football, hein. On essaie de faire tout ce qu'on peut, on donne le maximum, et voilà. Et bah, des fois, c'est comme ça, hein, ça tourne pas en notre faveur, mais bon, on a déjà une bonne base, puisque je trouve qu'on essaye de jouer au football, on essaye. Après, il y a plus ou moins de réussite, mais bon. C'est toujours dommage de perdre des matchs comme la semaine dernière comme ça, mais ça fait partie du football et il faut se relever très vite, c'est tout ça. Oui, et c'est toujours très difficile de jouer contre des équipes comme Tinen. Autrement, l'homme dit, joue du football, plus fort, plus technique, plus dur, mais aussi plus... Des tactiques qu'on peut prévenir, joueur sur la ligne. Oui, c'est sûr que c'est plus facile, entre guillemets, de jouer contre des équipes comme Lommel, mais c'est des équipes plus fortes aussi. Donc voilà, mais c'est sûr que nous, pour notre jeu, c'est plus facile de jouer ces équipes-là. On prend plus de plaisir parce que elle joue aussi, c'est ça, que nous on joue, elle joue, donc même pour les spectateurs, c'est bien que les deux équipes jouent, qu'ils restent à 10 derrière et ils essayent de contrer, c'est jamais évident, mais voilà, chacun joue avec ses armes, hein, et ouais, puis c'est tout. Hein, bon, Tine, c'était le passé. Voilà, maintenant, c'est vendredi. Alors, comment est le climat dans la vestiaire aujourd'hui? Non, bah, c'est sûr qu'après le match, il y avait eu beaucoup de frustration, le sentiment d'avoir fait presque tout, mais bon. On se bat pas. Non, il n'y a pas de genre problème dans le vestiaire. Non, ça discute, il y a des discussions, voilà, mais il n'y a pas de bagarre, non. Tout va très bien, hein, comme depuis le début de la saison, tout se passe très bien. Donc voilà. Et là, on apporte le match de Lommel avec beaucoup de confiance, mais on va essayer de faire le maximum pour amener les trois points. Espérons. Beaucoup de chance. Okay. Le ballon. Espérons qu'il ne touche pas le bon que le poteau. Côté de cette poteau. Hein. Voilà, j'espère aussi. Merci. Ok. Lino contre Lommel, répétition de 3 buts. Presque parce que vendredi passé, c'était terrible. C'était comme on frappait le ballon toujours au mauvais côté du poteau, au-dessus ou de ça. Est-ce que vous avez une explication? Parce qu'on était vraiment dominant et malchance, c'est l'explication ou autre chose? Oui, je pense que sur les deux derniers matchs, Westland et Tinon, je pense qu'on n'a pas eu les dieux du stade avec nous. À Westland, on frappe 4 fois sur les poteaux, à Tinon, on domine aussi. Mais bon, il faut continuer. Je préfère perdre contre Tinon que de perdre contre Lommel. Lommel, c'est quand même un concurrent direct. Allez, il faut retrouver la confiance et reprovoquer cette chance une fois qu'elle tourne. Et dès vendredi, il faut reprendre obligatoirement les 3 points, et ce qui nous ferait vraiment du bien, et on repasserait déjà devant Lommel. Les spectateurs étaient déçus, l'entraîneur aussi, les joueurs comme vous aussi. Mais ça, c'est le passé, c'est vendredi qui compte, hein, surtout contre un concurrent direct comme Lommel. Mais on dit que c'est plus facile que contre une équipe comme Tinen, moyen talent, mais Lommel joue du football, disons presque à l'auteur de première division, comme les 5 équipes. Aux deuxième division. Hein. Ouais, je pense que les équipes comme Tinon, c'est plus difficile à jouer. C'est des équipes qui sont assez regroupées défensivement. Maintenant, on a joué contre les grosses équipes. Ça nous a toujours assez souri, à part Mons. Je pense que c'est des équipes qui laissent de l'espace. Et nous, on est une équipe qu'on aime bien avoir de l'espace. Je vous dis, maintenant, il faut reprovoquer la chance. Et j'espère qu'on aura plus de réussite vendredi. Et prendre les 3 points dans le groupe, bon, maintenant il faut oublier la défaite, il ne faut pas rester dessus. Si on veut avancer, il faut gagner dès vendredi et se concentrer, ce qui est bien depuis le début de la semaine. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la vestiaire que vous sentez
le besoin d'une sorte de revanche envers toutes les peut-être malentendus, malchance et tout ça. Le mauvais côté du poteau, vous l'oubliez. Non, dans le vestiaire, il n'y a rien du tout. On regarde toutes les choses positives. Aujourd'hui, on voit les deux matchs. On prend 1 sur 6, on mérite peut-être 6 sur 6. Il faut rester positif, il n'y a rien dans les vestiaires. Tout se passe très bien ici. On le voit encore à l'entraînement. Ce matin, tout le monde a bien rigolé, on s'est bien amusé. Je vous dis, il faut continuer à provoquer cette sorte et ça va finir par ressourire. Il y a des matchs où on a été vraiment pas bon et les matchs où on a pris les 3 points. Maintenant, on a 2 matchs où on est bon, on ne prend pas de points. On est quand même encore au 3e et il faut rester toujours vers le haut et c'est ce qui est le plus important. Espérons de fêter ensemble. J'espère, vendredi qu'on va fêter ça. Et il ne faut pas hésiter de faire aussi, il faut de plus 3 buts. Si ça vient, ouais. Je signe tout de suite. Merci. De rien. Fred, wel op de training, dinsdag namiddag. Betekent dat vrijdag op het veld? Nee. Ik begin maar maandag 22 begin ik terug met de groep. Dus nu train ik nog individueel. Ik heb verleden week begonnen individueel met Dirk. Ik was wel al een beetje bezig zo lopen hier in de schorre, maar nu sinds vorige week ben ik echt op veld begonnen met Dirk. Van de week moet ik dat ook nog en vanaf maandag train ik met de groep, normaal gezien, als alles goed gaat. Ja, laten we dat hopen, maar ondertussen zit je met jouw karakter een beetje toch te nagelbijten of te vloeken als je ziet wat er vorige vrijdag eigenlijk is gebeurd. Het was bijna, ja, Death's Army, hè. En daar komen de schutters alleen. Het doel was niet breed genoeg? Of, Ja, het is alleen vorige week niet, hè. De week daarvoor ook. Hè. Dus het geluk dat we een beetje hadden in de vorige wedstrijden, dat je elke keer dat goaltje meer kost. Maar laat ons nu een beetje in plan, moet ik zeggen. Maar ja, dat is gewoon een periode, dat weet je sowieso. Als je een periode van geluk hebt, komt er altijd een periode waar je minder geluk hebt. Ik heb Gregor hier juist bezig gehoord. Ja, omdat hij zegt, is totaal terecht. We hebben een paar wedstrijden gewonnen dat we misschien iets te veel gekregen hebben. Nu verdien je 6 op 6, zeker. Maar ja, je staat nu met 1 op 6. Maar ja, daar is geen man overboord. Je staat nog altijd een derde, je staat op 2 punten van Leuven. Als je vrijdag die wedstrijd wint, sta je op terug tweede. Mijn achterhoofd dat er binnen een week of twee Lommel Leuven is. Dus alles is nog te doen. En ik denk als je het parcours bekijkt tot nu, dat we zeker niet mogen klagen. Je hebt 9 keer gewonnen, 4 keer verloren, 1 keer gelijk. Voor in het begin van het seizoen hadden we daarmee ons 2 handen voor getekend. Ja, we tekenen in ieder geval voor die rentrée. Dat was maar op het veld. Binnen 2 weken? Ja, dus volgende week maandag begin ik te trainen met de groep en dan kan het rap gaan natuurlijk. Oké, je moet wel in het achterhoofd houden dat ik toch al 8 weken geen wedstrijd gespeeld heb. Dus laten we eerst beginnen misschien met een helft of een uur met de belofte en zien hoe dat mijn rug en de blessure daarop reageert. En dan kunnen we verder kijken. Want zoals ik de laatste weken gespeeld had, dat is niet... Dat wil je niet meer doen, dat is dat wil ik, ten eerste, dat wil ik niet meer doen en ten tweede, niemand heeft daar baat bij. Nee. Dus er zijn genoeg oplossingen, die zijn nu aan de oppervlakte gekomen. Dat zijn goede oplossingen en dan moet je die oplossingen ook gebruiken. Dus die zottigheden die zullen nu niet meer gedaan worden. Oké, okay, bedankt. Ja. Notre joueur Saint-Denis devant le poteau, et c'était le problème, le match passé. De quel côté le ballon va-t-il entrer, à gauche ou à droite, entrer ou non, et tout le monde a essayé. C'était presque la guerre contre 11 joueurs sur la ligne, mais pas de but. Est-ce que vous avez une explication ou c'est simplement à cause de frustration ou de malchance? Non, je pense que c'est la loi du football. Il faut une équipe avec un peu plus de chance. Et l'autre qui, malheureusement, comme nous en ce moment, on n'a pas beaucoup de chance. Mais bon, c'est pas dramatique, on se crée beaucoup d'occasions. Maintenant, il faut que la balle rentre. Et je pense que vu le travail qu'on fait en ce moment, ça ne va pas tarder à payer. L'entraîneur de l'homme l'a déjà dit, voilà, j'ai vu jouer au stand. Et en avant, ils sont plus forts que l'année passée. Alors il y a des spectateurs qui disent, plus fort, ils ont eu une dizaine de chances et pas de but. C'est le football. Ouais, voilà, c'est le football. Il y a des équipes comme ça, il y a des moments comme ça, il y a des passes. Et on a fait une bonne série.
on s'est créé beaucoup d'occasions. Et je pense que sur n'importe quelle équipe, on a su créer beaucoup d'occasions, que ce soit Wasland ou Mons ou Vizé, Louvain. On a ce qu'il faut offensivement avec un Samiori qui arrive facilement à nous à trouver les attaquants. Et voilà, Silvio c'est un joueur qui tient bien le ballon et qui peut la mettre au fond facilement. Donc je pense que ça va pas causer beaucoup de problèmes. Non. Non plus contre le monde, parce qu'on dit une équipe qui se trouve maintenant aussi dans c'est plus facile contre l'homme parce qu'ils jouent du football aussi. Ils ont une tactique et ce n'est pas jouer contre un mur. Non, c'est vrai que l'OMEL, on les connaît parce qu'ils ont une belle équipe avec beaucoup d'individualité. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse attention à eux. Mais ce qui est bien, c'est que c'est une équipe qui joue au ballon, qui aime le jeu et nous aussi. Donc je pense qu'il y aura beaucoup d'occasions et on va tout faire pour concrétiser les actions si jamais il y en a. Quoi. Oui. Et vendredi soir, les ballons jusque côté où il faut du poteau. Ouais, voilà, exactement, on va tout faire pour la mettre au fond. Mais il faudra quand même faire attention à eux parce que c'est une très belle équipe aussi. Oui. Vous connaissez des noms de cette équipe? J'ai joué contre eux l'année dernière. Je connais Dufour, qui pour moi c'est un grand joueur. Moi j'aime bien. Vous avez aussi Kenning et Van Oost et alors Stassin, ouais, ça, c'est l'expérience de Pinkston. Non, ils ont c'est une belle équipe. Je pense qu'il n'y a pas une très grosse différence entre eux et nous. Après, ce qui sera le tournant du match à mon avis, ça sera peut-être la mentalité ou peut-être le réalisme devant le but. Mais je pense que ça devrait être un beau match avec du jeu et beaucoup d'action. D'accord. Réalisme pendant le match et après. Des rêves, des buts qu'on a vraiment marqués. Ouais, cette fois-ci. C'est vrai. On en a mis des beaux sur des belles actions contre des belles équipes. Donc je pense que voilà, on a ce qu'il faut devant et maintenant on va tout faire pour faire tourner la chance de l'autre côté. Ok, rendez-vous vendredi soir. Il n'y a pas de souci. Als je de jongens op midweek training bezig zitten, dan merk je wel dat ze alles doen om de weg naar het doel te vinden. Of dat nu uitgetekend is, uitgepraat of hoe dan ook. Het is het feit dat de kanonade van vorige vrijdag, dat die helaas zonder succes was. Maar ze staan weer op scherp. En dat hoor je van Saint-Denis en dat hoor je als middenvelder, dat hoor je van Wissin als verdediger, die helemaal niet betreuren dat wij niet aanvallen. In tegendeel, het woord malchance valt, tegenslag. En gewoon, ja, dat is nu eenmaal de voetbaltaal. De paal is rond, de bal ook. En die kan niet blijven naar de verkeerde kant gaan. Maar ze zeggen ook, we hebben wedstrijden gehad waar we eigenlijk niet verdienden van punten te pakken. Maar finaal die dan ook hebben meegenomen. En die ups en downs, die ebben en vloed, dat heb je zeker bij de ploeg aan zee. En laten ze me vastpinnen aan de droom van Lino. Die zegt, ja, één keer scoren tegen Roeselare, dat zag ik niet zitten. Ik heb er meteen 3 van gemaakt. En die is bereid om alles te doen. Alle goden te aanroepen en gelijk wat. Want aanvallend zegt de trainer van Lommel, Frankie van der Els, dat wij beter zijn dan vorig jaar. Dat weten ze ook in Tienen. Alleen zal het misschien makkelijker zijn om te scoren tegen een voetballende ploeg, tegen een topploeg. Die komt spektakel bieden in het Albertpark. Dus afspraak voor een goede wedstrijd en niet trappen met de nodige frustratie op de duur tegen een muur zoals tegen Tienen.